Nityanandam, nous voilà de nouveau avec Ma, Devi, Tejomai, Saraswati, Namaha. Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Aim Saraswati. Aim Saraswati Namaha. There must be something that I really want. Who am I? What am I really looking for? There must be something that I really need. I cannot explain. Yeah. Something that I really want. Yeah. Ooh, yeah. Hey, something that I really need. Something that I really want. Who am I? What am I really looking for? There must be something that I really need. Something I really want to know about. There must be something in my sky. Something that I really haven't tried. And I really want to know the reason why. Something I really haven't done yet must be done. Yeah. Ooh. Excellent, excellent. Merci pour ce chant. On va continuer. J'aimerais savoir ton expérience. Maintenant, ça fait quelques jours que tu es venu, je crois, la troisième fois que tu es venu voir Paramahamsa Nityananda. Et quelle est ton expérience des satsangs, en fait, le matin? Non, j'aime beaucoup. C'est divin. It's really divine. C'est divin. My experience, I just love to come here. You know, I love to hang out with saints and sages and maharishis and mahayogis and mahasiddhas. So, it's tu me disais beautiful... que tu avais l'impression qu'il te parlait directement dans ton espace d'écoute en français. Ça, c'est la satsang. La satsang, ce qui se passe dans la satsang, c'est que quand tu as des questions intérieures, la réponse se trouve dans la satsang. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, hier et ce matin, j'ai eu des conversations avec des sujets très précis, néanmoins très différents. Et en fait, Swami Nityananda, Paramahamsa Nityananda ji, ce matin a repris point par point toutes les conversations que j'ai eues. Toutes! Excellent! Tous les sujets! Toutes les conversations que j'ai eues, all the conversations and all the ideas and topics that I had discussed yesterday, which were very different, Swami Nityananda ji addressed them
every single one of them this morning in the satsang. The satsang was just for me. Woo! But I know it works like that for everybody. Je sais que ça marche comme ça pour la plupart des gens. C'est-à-dire, au moins, si, même si ce n'est pas toutes les réponses, mais il y a au moins une réponse dans la satsang qui va adresser de manière très, très, très directe. And by the way, this Shakti, you know, of making the rainfall also. On parlait de ça l'autre fois. Absolument. Dans l'ancienne. Ton grand-père qui rapportait voilà. Le Sanata Hindu Dharma pour faire en la fait, pluie en Afrique. En fait, en Afrique, on fait ça déjà. Parce qu'en Afrique, nous avions les rishis et nous sommes aussi des rishis, des anciens maharishis. Nous sommes ceux-là également. Et donc, quand Brahman Saji ce matin a parlé de raviver cette Shakti et qu'il a dit. Bon ben, j'attends la personne que je peux initier à cette Shakti. J'ai levé la main direct. Excellent, j'ai levé la main direct. Je sais que c'est adressé, en tout cas pour certains d'entre nous. Bon, mais il y a eu quand il y a eu la journée mondiale, je crois, de la pluie. C'était une journée montagne où il a dit qu'il allait faire la pluie dans 108 pays. Il a plu à Aumont comme jamais, alors que ce n'était pas du tout la saison des pluies. Et ça fait partie de la manifestation de pouvoir de faire la pluie. C'est de se mettre d'abord en feeling de oneness avec les éléments et avec les initiations. Ben, tu vas rapporter ça en Afrique, c'est ta mission. Namah Shivaya. Merci Namah Ma Shivaya. Pour ton témoignage.